Monsieur le ministre, Monsieur le président de la République, cher François Hollande, Monsieur le maire de Dijon et président de la métropole, cher François, Messieurs les ministres divers, variés, qui sont ici, parmi eux François Patriat, Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de toute la région et d'ici, dans cette belle ville de Dijon. Juste quelques mots après ce très très beau discours de François Rebsamen et avant celui du ministre. Force de la beauté des lieux, force de l'histoire qui s'inscrit dans ces murs, mais aussi force de l'ambition de Dijon, de l'ambition de son maire, cher François. Une ambition qui s'ajoute aux ambitions économiques, écologiques, universitaires, numériques, gastronomiques, qui font de Dijon une métropole qui n'attend pas les avis, dont la force n'attend pas les années, dont la valeur n'attend pas les années. C'est une jeune métropole qui s'impose. Une ambition qui va faire du bien à toute la région, parce que ce musée transformé va être un ambassadeur absolument formidable pour notre région, région qui a accompagné depuis le début du chantier, sans faille, avec force, grâce à François Patriat, cette magnifique réalisation. Et aujourd'hui, la Bourgogne-Franche-Comté, elle est en quelque sorte complice de la ville de Dijon, parce que les choix que nous faisons en matière culturelle sont guidés par les mêmes valeurs. Nous sommes convaincus que la culture ne doit pas bénéficier d'une place annexe dans une politique publique, mais d'une place centrale. Si la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, elle n'a pas une place annexe, ni à Dijon, ni en Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur le ministre. Cela se traduit par des chiffres, par des espèces sonnantes et trébuchantes, par des budgets qui ne baissent pas et même qui augmentent. C'est quand même suffisamment rare pour le signaler. Alors, derrière ces choix de conviction, il y a de la passion. Et la passion n'entraîne jamais des forces tranquilles. Donc il y a parfois, entre la ville de Dijon et la région de Bourgogne-Franche-Comté, des confrontations autour de la culture et même de l'art contemporain. Mais le bien commun l'emporte toujours. Merci. Merci, merci Monsieur le maire, merci cher François, de nous procurer cet instant magique qui est le résultat de tant de travail, de tant d'investissement, de tant de conviction. Et merci bien sûr à tous ceux qui ont participé, des architectes, aux techniciens, aux ouvriers. Je pense aussi à tous les agents de la ville et de la métropole qui ont été formidablement bousculés et puis emmenés dans cette aventure. Merci à vous tous. Merci pour cette exposition, première exposition temporaire confiée à Yann Penny, parce que je ne doute pas que, compte tenu des talents de cet artiste, il va nous procurer des moments qui sont les moments que seul l'art, que seule la culture peut procurer, des moments de partage, des moments extrêmement forts autour de ces regards pétris d'humanité. Il n'y a que l'art qui peut procurer des émotions comme celle-là. Et d'ailleurs, Monsieur Yann Penning, nous serons heureux de vous accueillir dans quelques semaines. Vous ferez un peu faux bond à votre exposition temporaire de Dijon pour venir à Ornon fêter les 200 ans de Courbet, et on s'en réjouit d'avance.
je crois que c'est Malraux qui disait que la culture ne s'hérite pas, mais se conquiert. Alors bravo Dijon pour cette conquête phénoménale, cette conquête pacifique, cette conquête collective, cette conquête qui nous transporte et qui nous enrichit tous. Bravo, merci du fond du cœur.